Yaya Fofana qui est avec nous. Yaya, félicitations. Expliquez-nous un peu vos émotions dans ce match. Franchement, c'est incroyable. Il y a un penalty. On voit que l'arbitre il refuse parce que je crois qu'il y a une position d'hors-jeu. On reprend un penalty. Là, l'arbitre il accepte. Penalty. Vous l'arrêtez. Penalty, il accepte. Je l'arrête. Incroyable. Et après, on prend un rouge. C'est un truc de ouf. Et après, on tient jusqu'à la 88e. On marque après prolongation. On défend comme des chiens. Cette canne n'a pas été facile pour nous. Mais on est allé la chercher en mental, franchement. C'est pas facile, mais c'est pas fini. Quand on se dit c'est pas fini après tout ça, c'est un truc de ouf. Il nous reste encore 2 matchs pour aller au bout, mais là c'est déjà exceptionnel ce qu'on vit. C'est incroyable. Et j'arrive pas à décrire, c'est exceptionnel. En plus, le public a répondu présent. C'est exceptionnel. Ça doit être éreintant parce que pour qu'un gardien finisse avec des crampes, c'est que ça doit être spécialement fatigant quand même. Honnêtement, j'avais pas de crampes, voilà, parce que voilà, mes coéquipiers c'était mort. Voilà, ils me disaient tombe au sol, mais sinon j'avais pas de crampes. Après, j'enchaînais des dégâts. C'était de la malice. Ah ouais, voilà, ça veut dire. Voilà, mes coéquipiers étaient fatigués. Voilà, je pense que c'était pour gagner du temps. Voilà, je suis content de ce match. Franchement, là, on allait la chercher au bout de la prolongation. Franchement, c'est énorme. Je commençais à me projeter sur les pénalties. Mais ce but de Seco ou Oumar, je ne sais plus qui marque, c'est exceptionnel. Franchement, je suis libéré. Ce soir, je pense pas que je vais dormir parce que là, c'est exceptionnel. Et oh là là. Félicitations. On va vous laisser profiter, Yaya. Merci beaucoup.